Coucou mes loulous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale Harley Quinn avec Poussin. Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison. Apparemment j'aurais quelques soucis de mémoire et je sais plus exactement ce qui s'est passé avec les anciens propriétaires. En tout cas on fait la fête, on invite des amis et il risque de se passer quelques petites choses. Mon Poussin ? Oui ma belle. Les invités ne devraient pas tarder à arriver. Ah ça c'est parfait. Bon, j'ai pris tout ce qu'il faut, hein. J'ai commandé traiteur. Oui, je vois ça, festin. Oh, je crois qu'il y a une araignée, là. Je me permets, hein. Oui. Bonjour! Comment ça va? Bonjour. Toujours à l'heure, hein. Bonjour. Ben je t'en prie, entre, on va te faire visiter un petit peu. Alors, le séjour. Oui, mais c'est tout coupé. Voilà, et puis on va manger ici, hein. Je vais faire quelque chose de simple, hein. Fais une petite acquisition, ma belle. Je voulais te montrer un petit quelque chose, viens. C'est ma fierté. Alors ? Oh. Ils sont beaux, hein. C'est les billets du braquage. Oh oui, c'est magnifique, ça. Oui. Magnifique. Braquage. Est-ce que je vois le dernier braquage a été très intéressant. Ah oui, vraiment. C'est pour ça qu'on aimerait en réorganiser un et on aimerait t'en parler un petit peu. Ah, d'accord. Je comprends mieux l'invitation, alors. Oui, enfin, on est là aussi entre amis pour manger, hein. Alors, je t'en prie. Bien sûr. Je me permets, je prends les pattes, hein. Un petit... Oula, c'est... Qu'est-ce que... Mon poussin ? Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu ? Écoute, il est les pattes. Attends, bouger. C'est toi ? Qu'elles sont juste tombées, hein. Ah d'accord. Non parce que si c'est une farce, c'est vraiment pas drôle. Hein. Halloween, c'est terminé. Hein. Oui parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maison, on l'a eue, mais on l'a pas vraiment achetée. Enfin, les anciens propriétaires étaient charmants, mais bref, on leur a fait comprendre qu'ils étaient légèrement encombrants et qu'on avait besoin de cette maison. Elle est belle, hein. On te fait visiter au sous-sol. Ah, bien. Non, parce que tu ne te dises pas... C'est très intéressant, ça. Que tu ne te dises pas que c'est nous qui avons fait la déco. Hein. Les goûts sont vraiment moisis. Avec tout l'argent qu'on a, on va tout faire refaire par un décorateur d'intérieur. Et on a pris meuble. C'était plus simple. Voilà. Alors, là-bas, le garage. Alors, attention, il y a des araignées. Hein. Donc, ici, le garage. Voilà, ah, sommaire. Bon, évidemment, ce taudis, cette... Cette voiture, cette chose n'est pas à nous, hein. On va appeler quelqu'un pour la faire débarrasser. Sans déconner, les anciens proprios auraient pu la débarrasser. Oui, bah oui. Ils n'ont pas vraiment eu le temps, à vrai dire. Bon, bref. Ensuite, le sous-sol. Le bureau de Poussin. Voilà. Il voit toujours les choses en ordre. Poussin se fait plaisir de voir ce que je vois. Oh bah tu sais... C'est la salle où on prépare les caisses. C'est juste un petit peu de matériel comme ça. Hein. La salle de bain. Mon bureau. Oui, le mien est un petit peu plus... Bon. C'est voilà, c'est coquet. Bon, ne faites pas attention aux têtes de mort, hein. Venez. Le jardin avec notre couette personnelle et... Une petite fontaine que nous allons faire rénover puisqu'elle est légèrement verdâtre. Vaseuse. C'est cela. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, quand on est arrivé, c'était déjà comme allez, ça. Allez, oh, Poussin, je sais ce qu'on a oublié de faire. C'est du quelques petits cadavres dedans. Non. Les voisins qui habitaient là. Fin... De grenouilles, hein. Des cadavres de grenouilles, de poissons. Oui, bien sûr. Bien sûr, sûrement, oui. Sûr, oh, je crois
que je viens de tuer une araignée. Elle était riche. On partage? Je plaisante, bien sûr. Bon alors. Le petit coin détente, quand on a besoin de faire une réunion avec des amis, voilà. Ici, ce sera pour stocker l'argent du deuxième braquage. Voilà, on a préféré laisser une pièce relativement vide, vu tous les billets qu'on peut récolter. Et l'armurerie, bien sûr. C'est ici qu'on mettra tous nos Kevlar, ta vraie poussin et toutes mes AK. Oui, Secure Room, quelque chose de professionnel. Mon équipe va aménager ça, c'est seulement sous peu. On va manger? Oui, c'est parti. Allez, tous à table. Oui, c'est parti. Bon appétit. Je pense qu'on va commencer à manger puisque l'autre invité n'est toujours pas arrivé. Je vais aller voir à la porte, mais je ne le vois pas. C'est bizarre, pourtant il devrait déjà être ici. Il est toujours en retard. Je me prends un petit milkshake. On va l'attendre un petit peu. Oui, oui. Il va sentir l'odeur de la bouffe et ça va la faire arriver, je pense. J'espère. Monsieur D, je crois que vous avez fait tomber une glace de billets sous le canapé. Ah non, mais ça tout le temps, hein. Elle est mon maître. Il y a beaucoup de planques. Elle est mon maître partout. J'adore. J'aime qu'il y en ait un petit peu dans chaque pièce. La réserve de secours. Voilà. Il y en a dans le piano, sous le canapé, dans les meubles, dans des coffres qui sont dans les murs. Bref, partout où on a pu en mettre. Surtout sous le lit. Poussa et moi, on adore. Sous le lit. Bref, bon. Il arrive quand? On nage dedans. Ce petit balcon est ravissant. Oui, j'aime bien. De ce côté-là, ils ont eu du goût. T'es sur le test ou pas, Nyx? Tu peux leur demander où ils en sont. Sans quoi? Il semblerait qu'il arrive. Je viens de lui passer un petit coup de fil. Il va arriver d'un moment à l'autre. Ah, d'accord. Super. Je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra se séparer de lui. Discrètement. D'accord. On fera une part supplémentaire. Oh, la porte a été fermée en fait. Bonjour. Bonjour. En fait, elle était déjà ouverte. Oh, vous. Bon, bonjour. Comment ça va bien ou pas? Ça va, par contre, je ne vous reconnais plus. Vous êtes passé faire de la chirurgie esthétique? Non, je me fais de la chirurgie. Non. Je vois la tête en fait. Ah, mais vous êtes très féminine aujourd'hui. Moi, je m'appelle Kenji, moi. Ah, c'est le cheveux en fait. Ah, d'accord. Non, est-ce que je. Comme la dernière fois qu'on s'est vu, vous aviez de la barbe, ça m'a étonné un petit peu. Bon bah, je vous en prie, hein. On commençait à croire que vous n'alliez pas arriver. Ah, j'ai eu un petit peu un empêchement, mais là, c'est arrivé à l'heure. Il y avait un peu de monde sur la route, c'est ça? Ouais, en BTS, tout ça, c'est trop blindé, quoi. Truc de fou. On était justement en train de se dire qu'on allait peut-être s'organiser pour un prochain braquage. Venez voir. Ah, ça m'intéresse. Ah ouais, elle est bien là. Pas mal, hein? On aimerait bien refaire la même. Ah ouais, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Le temps de s'organiser, vous voyez? Ah ouais, bah oui, je vois. Ah ouais, ça fait coup, hein. Tout cet argent là, fou. Monsieur G, vous avez toujours... Comme sur les après-midi. C'est pour ça qu'on... qui ce magnifique lieu, afin de pouvoir... faire nos réunions secrètes et... Oui, puis tout réaménager, mon poussin, parce que... Oui, oui, je vois que la déco laisse à désirer dans certaines pièces. Oui, ça c'est bien les goûts des anciens propriétaires. Heureusement qu'on a repris la maison en main. On va tout changer. Je suis sûr qu'une fois que le nouveau décorateur arrivera, il va faire ça aux petits oignons. Bien sûr. Poussin. Oui, ma belle. Tu sais, pour ce dont je t'ai parlé l'autre jour, pour... Viens. Je reviens! On arrive. Oui, tu sais, par rapport au cadavre, là, je les ai mis pour l'instant dans la fontaine, mais j'ai l'impression qu'elle réagit mal. Il faudra penser à déplacer les corps. Oui, ma belle, j'avais compris à l'odeur en approchant de la fontaine que c'est là que tu... Au départ, je croyais que tu l'avais acheté, mais je connais tes habitudes. Je sais que les anciens propriétaires ont été difficiles en négociation qu'il a fallu...
Je voulais pas me vendre la maison, poussin. J'ai pas eu le choix. Alors j'ai sorti mon AK-47 et boum, deux balles dans la tête. Mais bon, maintenant c'est résolu. Allons voir nos invités, ils vont s'inquiéter. Voilà, voilà. Je vous apporte quelque chose à boire. Oui, je voudrais bien. De regarder si toi, justement, à la télé. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est vrai qu'ils avaient installé un écran à l'extérieur. C'est un peu particulier. Une petite bière, une collation. Ah, moi, je voudrais bien une bière. Ah, moi, je prendrais bien une petite bière. Ah, bah, je vous amène ça tout de suite. Hein. Voilà, voilà. Et voilà, deux bières pour vous. Merci. Merci beaucoup. Ah bah je crois qu'il s'en sort un petit peu mieux que moi. Hein. Je me suis dit à la... Oui, oui, il a l'habitude de servir l'alcool. Il possède quand même une boîte de nuit, chérie. La prochaine fois, on empruntera du personnel. Oui, je pense que ce serait mieux. Donc si tu vois... Nous avons une invasion de pigeons. Alors, où est ce volatile? J'espère que ça va le faire fuir. Ah oui. J'adore tirer sur les pigeons. C'est la chasse aux pigeons. Ah bah, si vous avez des armes, amusez-vous, hein. C'est quelque chose que j'adore faire dans mon jardin avec Poussin. Ah, je suis désolé, mais j'ai pas amené la mienne avec moi aujourd'hui. Dommage. Il y a un souci avec la télé, là. Elle vient de bouger. Comment? Non, ce n'est pas possible. Si, je vous assure, elle était légèrement plus en hauteur et d'un coup, elle est descendue. Oh, vous savez, elle est très lourde. Elle a dû... Les suspensions ont dû lâcher, ce n'est rien de grave. Ça doit être ça, oui. Oui, on remarque, c'est vrai, oui, ça doit être ça. Oui. Bon, rentrons à la maison avant qu'elle nous tombe dessus, hein. Ah. Alors du coup, pour le braquage, la semaine prochaine, ça vous conviendrait? Ouais, la semaine prochaine. Normalement, c'est bon, parce que... Oui, oui, la semaine prochaine, c'est déjà bon. Vous avez ce qu'il faut au niveau du matériel? Oh là, j'entends frapper, pourtant nous n'attendons personne. Je vais aller voir... Ouais, moi aussi, j'ai entendu frapper, moi aussi. Y'a quelqu'un? Nous. Non. Y'a quelqu'un? Apparemment, y'a personne, c'est bizarre. Pourtant, je suis sûre d'avoir entendu frapper, hein. Oui, moi aussi, c'est une... Vous entendez le bruit en bas? Oh. Il y a eu un souci avec ce meuble. Je sais pas. Bah, c'était pas à côté du fauteuil, ça. Bon, après, y'a souvent des courants d'air dans la maison. Oula. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je vois là? Ça bouge tout seul là, il se passe quoi ici là? J'ai vu le fauteuil bouger aussi. C'est bizarre ceci. Je crois que nous l'avons tous vu bouger ce fauteuil. Le garage s'est ouvert. Quelqu'un serait rentré par le garage? Il y a un intrus dans la maison. Mieux vaut rester prudent. Tu veux sécuriser les lieux. Mieux vaut rester très prudent. Moi je descends en bas, je me fais un peu peur ici. Ah, je préfère me débarrasser du meuble. C'est plutôt radical comme solution. Bon. Ok. Ok. On passe dans le sous-sol. J'ai cru entendre un bruit en bas. On va dans ton bureau, poussin? Bien sûr que ce n'est pas dans ta tête. Là, ici. Pas bougé, là. Le crâne. Il est tombé là. Petit meuble. Oh. Chérie, à ce sujet, à qui appartient ce crâne? Oh, c'est rien, mon poussin. Allons dans le salon. Voilà. Ça a frappé, là. Vous pensez que c'est la fenêtre? Vous avez entendu frapper? C'est quelqu'un qui nous fait une farce. Pourtant, Halloween est terminé, hein. Oh! J'ai cru voir quelque chose voler. Et là, je crois que ce n'est plus dans ta tête, ma belle. Il y a réellement quelque chose.
Regardez la télé, elle a bougé la télé. Ok, ici rien n'a bougé. Essayons de nous réunir dans un endroit où il ne s'est encore rien passé. Attention derrière vous, le tabouret. Ça frappe encore. Qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu. J'ai l'impression que l'endroit est hanté. Dans mon bureau. Dans le bureau? Allez, tous dans le bureau. Je ressors mon arme. Faudrait peut-être penser à appeler la police. Là, y a la porte du garage vient de s'ouvrir. Bon. Oh! Il y a la foutre à la boue. C'est où? C'est où? Vous croyez que je l'ai... Non! Vous croyez que je l'ai tué? Très mystérieux. Oh mon Dieu! Le tableau. J'ai plus de balles, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de munitions! Ça frappe à la porte. J'ai l'impression que c'est par là. Ça refuse de s'ouvrir. Oh, le tableau. Regardez le tableau, il vient de se relever. Je ne sais pas où c'est, mais c'est ici quelque part. Ah ! Regardez les murs. Un peu des anciens propriétaires. Les murs, mon poussin, les murs. Tu fais, ma bête. Je n'ai rien fait, je ne vois pas, je ne comprends pas. Il faut qu'on sorte d'ici. Ça devient beaucoup trop dangereux. Bon, d'accord. Il faut que je vous avoue quelque chose. Venez dehors. Ah! Mon Dieu, non, ne venez pas dehors, il est là! Rentrez, rentrez! Venez tous dans le garage. Voilà, je... Oui, on va sortir. Il faut que je vous fasse un aveu, je... On va s'organiser. Tu récupères des munitions. J'en avais pas avec poussin, mais... On va aller dans... Il faut que je vous parle de quelque chose, je t'ai dit. Écoute-moi. Voilà, ce qui se passe, c'est que... Les propriétaires qui étaient là avant, je... La cache d'armes est au rez-de-chaussée. On va tenter d'aller jusque-là sans qu'il nous arrive quoi que ce soit. Monsieur Catali va d'abord aller sécuriser les lieux afin... J'essaye de vous avouer quelque chose et vous me coupez la parole depuis tout à l'heure. Vous ne m'écoutez même plus, monsieur G. Je ne vous reconnais plus. Vous êtes possédé. C'est la panique, ma belle, c'est la panique. Non, ce n'est pas la panique. Ne vous inquiétez pas. J'ai tué les anciens propriétaires, d'accord ? Je les ai tués, ils sont morts ! Et c'est eux, c'est sûrement eux ! Je n'ai pas acheté cette maison dans les règles. Oui, je les ai tués. Ils sont enterrés dans le jardin. Il y en a un qui est derrière l'arbre là-bas et l'autre qui est dans la fontaine. Fuyez. Nous risquons notre vie. Ma belle, on va chercher des munitions. Où sont les munitions? Venez voir. Il y a une arme ici. Ok, très bien. Mon Dieu. Regardez le plafond. Wow. Oh. Ouais. C'est de pire en pire. Faut rentrer sur le plafond. La porte. Ah mon Dieu. Il était là. Il saigne. C'est dans les murs. Non. La photo est sur le porteur là. Associée, ma belle. Trop nerveuse. Poussin, je crois que... Que cette maison n'est pas faite pour... Non, il faut partir. Comment on fait? Il faut cacher le corps. Il faut enterrer le corps. Bon, on le laisse. Normalement, il n'y a pas nos empreintes. Il faut partir. Il n'y a aucun contrat d'achat. Je ne peux pas passer. Je crois qu'on est piégé ici. Mon Dieu! Je suis bon. Poussez, ma belle. On prend le quad! Le quad a été volé, il n'y a plus de quad! Il faut fuir! Tu me suis? Mon Dieu, même le quad a disparu! Oh là là! Qu'est-ce qu'on va devoir? Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas laisser l'argent à la maison! On n'a plus rien! Si on part maintenant, nous n'avons plus rien.
Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'argent, ma belle, l'argent ! L'argent ! Il faut aller récupérer l'argent. Les crânes nous suivent. Non mais laisse-la, c'est pas grave. Tant pis. On en revolera d'autres. Je laisse l'argent. Tant pis. Ah, je ne peux plus sortir. Non. Poussin, par où allons-nous sortir? La balcon. Je vais sauter. Je vais sauter. Rien à faire. C'est beaucoup trop. Il va falloir que tu nettoies la pièce avec ton arme et que nous nous enfuyons par le garage. Je vois que c'est ça comme solution. Très bien, je vous couvre. Je suis bloqué. Je suis bloqué dans la porte. Je peux vous aider si vous voulez. Je suis bloqué dans la porte. De toute façon, ça fait beaucoup trop de démons. Je suis désolée. Viens mon poussin, les démons ont été éliminés, fuyons. Jamais je ne remettrai les pieds dans cette maison. Non, plus jamais. Oh mon dieu, poussin. On ne récupérera jamais l'argent dans ces conditions. Ah, éloignons-nous. Fuyons, on va être touchés. C'est parfait. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Ciao, ciao!